Bienvenue dans mon 13e épisode de podcast créatif. Donc, je me représente, je m'appelle Amélie, donc Happy Sweet Peach Factory sur YouTube et Instagram et Happy Sweet Peach tout court sur Ravelry. Donc j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Du coup, moi j'ai quand même pas mal de projets finis, deux en cours. Et par contre, la partie autre, comme on dit que je pouvais la mettre. Ça vous est intéressé de voir ça, je vais les mettre à la fin. Donc il y aura de la couture, de la broderie, du flocage, du martelage, de la papeterie aussi. Donc pour le programme, ça sera comme d'habitude, tricot, après de la couture et après du coup les autres loisirs créatifs. Oui, j'ai carrément oublié de le dire, mais j'ai fait avec mon mari des petites intros, une petite présentation pour le podcast. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu un coup de neuf au podcast en fait. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai aussi acheté un micro, mais pour l'instant avec le logiciel qu'on utilise avec l'ordinateur, c'est pas compatible. Donc on va regarder un petit peu avec mon mari, donc ça sera sûrement pour la prochaine fois. Parce que j'aimerais aussi tourner avec mon réflexe en fait. Ça serait beaucoup plus beau, beaucoup plus plus agréable pour vous, pour voir les détails, surtout du martelage, etc. Je pense que ça serait plus qualitatif. Donc on va essayer ça pour la prochaine fois. Bon, là déjà, vous voyez, j'essaie de faire les petites présentations, pardon, les petits génériques. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite avec les projets finis. Donc on va commencer tout de suite par le tricot, comme on a beaucoup à se dire. Donc j'avais fait la dernière fois un épisode sans projet en cours, car j'avais beaucoup de test knits. Donc je voulais pas faire des redites, etc. Alléger un peu le contenu, donc du coup je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc il y a deux pulls et un châle, enfin une écharpe, et que j'ai refait une deuxième fois. Donc j'ai quatre projets finis. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon premier projet fini, c'est le pull de mai de Lenny Hoy. Donc je vous mets dans la barre d'infos. Du coup, pour ce test knit, c'est un petit pull de printemps. Donc je vous insère aussi les photos pour voir bien les détails, surtout des manches, qui se fait du coup en fade. Vous pouvez le faire en uni si vous voulez aussi, hein, mais du coup le principe c'était voilà, de partir sur un fade. Donc j'ai cherché un petit peu dans mes placards, et en fait j'avais acheté dans un destache un coloris de la Fefil, donc c'est le CSF 2015. Et j'avais un écheveau en fait. Et plusieurs des stages sur internet, j'ai retrouvé à chaque fois ce coloris. Donc du coup, en fait, j'en avais commandé séparément deux autres. Par contre, une fois réceptionné, en fait, les coloris, surtout un, ils avaient voilà, vraiment pas pour un pull uni, c'était pas joli. Parce que du coup, en fait, il y en a un qui avait une base vraiment plus lavande et les autres plus vertes. Bon, il y en a un plus bleu, l'autre plus mint et l'autre vraiment lavande en fait. Donc du coup je m'étais dit ben je vais le garder ce combo, je voulais pas le dessacher, et du coup dans l'idée de me faire peut-être un fade, etc. Dans un échange créatif, Héloïse m'a teint une laine. Donc c'est la laine ici. Donc c'est un joli menthe, donc elle a appelé ça la glace à la menthe. Et je me suis dit, en mettant les pelotes, en les rangeant à côté, je me suis dit ben banco, ça me ferait un joli fade. Donc j'avais 350 grammes. De dispo, donc je me suis dit je vais attendre le projet parfait, parce que je voulais vraiment utiliser son écheveau voilà, dans un projet sûr que je vais porter, etc. Enfin voilà, parce qu'il me tient à cœur. Et quand Lenny Hoy a posté son appel à hôtel, je me suis dit bah banco, c'est suisse. Enfin je le voyais déjà dans cette couleur, enfin c'était sûr, voilà, ça serait dans ces couleurs. Donc hop, je vous montre ça, j'espère que vous allez bien voir. Donc en fait, donc là c'est coloris d'Héloïse, donc tricololoute. Ici c'est le coloris, donc le premier CSF 2015, qui était plutôt couleur mint, en fait vraiment le même mint qu'Héloïse. Après ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros c'est le deuxième écheveau de coloris CSF 2015, mais il était plus bleu en fait, plus turquoise. Et après, là je l'ai utilisé que ici, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est le troisième écheveau de CSF 2015 que j'avais, et lui, il était vraiment plus lilas en fait. Voilà. Donc du coup, en fait, en ayant le même coloris, mais dans des bains différents, ça a fait son fade quasiment tout seul en fait. Voilà. Donc pour la laine, pour le
pour le patron. La construction est vraiment super simple, ça monte très très vite, parce que du coup, en fait, donc c'est de la figurine, mais ça se tricote en 3,75. Donc ça donne un aspect assez léger, malgré le fait que ça soit quand même de la laine. Pour le printemps, c'est parfait. Au niveau de la construction, donc vous avez un raglan, du coup, avec 4 mailles ici. Hop. Ici. Le corps, c'est tout droit. Il y a une aisance positive de 5 à 10 cm, enfin, vous choisissez, mais elle recommande un peu d'aisance positive, etc. Et elle, ce qu'elle, le patron, en fait, je vous insérerai une photo du patron, parce qu'on voit mieux sur elle. Comme moi, je suis petite, ça ne m'arrive pas aussi haut qu'elle. C'est aussi un bon patron pour mettre en dessous de petites chemises, en fait, les chemises blanches, etc. Ou des petits tops un petit peu blousants avec un effet de dentelle vers le bas. Ça peut être vraiment très sympa pour le printemps. Et le petit détail que j'ai adoré, donc là, j'ai pas encore fini de rentrer les fils, j'avais oublié chez mes parents. Donc là, voilà, le petit détail, c'est aussi que donc vous avez des manches trois quarts et vous faites une petite patte en fait ici que vous tricotez par en dessous en fait et pour l'attacher en fait, pour retrousser vos manches. Donc ça, c'est vraiment le petit détail qui fait vraiment joli. Ça donne vraiment un effet sympa. Donc moi, j'ai pris des petits boutons. Des petits boutons en bois. Voilà, donc ce pull, enfin vraiment, l'encolure est bien aussi en fait, elle est assez bateau, je crois qu'on appelle ça, assez ouverte, donc du coup, ça cache quand même le soutien-gorge, la bretelle en fait, donc c'est parfait si vous mettez rien en dessous du petit pull. Et ça fait très joli si vous avez un petit top à col Claudine, etc. Vous pouvez vraiment varier les styles suivant la laine que vous avez utilisée, en fait. Je le vois bien aussi en marinière, écrue et des rayures bleu marine, par exemple. Ça peut faire vraiment très très joli, c'est un petit short. Donc elle recommande de le faire un petit peu cropped pour justement porter quelque chose en dessous, mais vous pouvez l'allonger pour faire un petit pull normal. Sur moi, comme je fais 1,58 m, type petite, du coup ça fait pas crop en fait, ça fait vraiment, c'est ma longueur normale en fait de pull, mais comme je porte pas souvent de chemise, j'aime pas trop porter de chemise, donc moi ça me va bien que j'ai pas cet effet crop pour voir en dessous ma chemise. Donc il s'est vraiment tricoté tout seul en 3,75, comme j'ai fait beaucoup de pulls en 3,25, c'est peut-être bête, hein, mais ça va quand même vachement plus vite, et du coup pour faire ce projet, donc comme c'est en 3,75 pour avoir cet effet un petit peu blousan, etc., choisissez pas une figurine trop trop fine, parce que sinon ça peut faire vraiment un petit peu trop ajouré, donc là la maille est vraiment un peu trop lâche, donc voilà, adaptez. Là la laine de la fessie et celle d'Héloïse, elle avait la même grosseur, je sais pas si je peux encore rentrer les fils de la manche, mais voilà, c'est pas une figurine épaisse non plus, mais c'est pas la plus fine que j'ai tricoté non plus, donc voilà, vraiment faire juste un petit peu attention à ça, sinon voilà, descendre et partir à le tricoter de ce fait en 3,50. Donc vraiment un petit pull d'été vraiment super sympa, les finitions sont top, il y a un petit tie cord qu'on fait partout, ici c'est pas un tie cord, je dis pas de bêtises, si c'est un tie cord aussi, hein. Un icord au niveau du col, au niveau des manches, au niveau du bord, et vraiment le petit détail de la pâte de boutonnage, hop, j'en avais jamais fait, en fait c'est relevé en fait sur l'envers du pull, les mailles, on tricote un espèce de petit boudin en fait, de petit rond, qu'on rabat avec du grafting, et on fait un petit trou pour le bouton. Vraiment, c'est vraiment tout simple, mais ça change vraiment beaucoup, et si vous voulez pas le retrousser, en fait, on voit rien quand vous le laissez en dessous, en fait. C'est vraiment des détails super sympas, un super pull pour le printemps, ou même si vous choisissez une couleur un petit peu plus automnale, voilà, à le porter par-dessus de chemises plus épaisses, etc., ça peut faire vraiment un beau pull automnal aussi, suivant le coloris que vous choisissez. Donc moi, j'ai choisi vraiment des coloris bien printaniers, hop. Alors la couleur d'Héloïse est plus, je sais pas si j'ai vraiment, c'est plus comme sur les photos que je vous mettrai, en fait il est plus prononcé que ça fait un peu plus délavé, mais il est plus présent en fait, donc voilà. Hop. Donc du coup pour moi, j'ai fait la taille, par contre il n'y avait plus que la taille L à tester, donc il est un peu loose, mais j'aime bien ça. Il m'a fallu 325 grammes de laine.
Donc voilà, et du coup, pour les fêtes, si jamais vous avez des bains un peu différents, etc., ça peut totalement le faire sans trop se casser la tête. Et comme c'est vraiment les mêmes couleurs qui sont repris, voilà, le fade se fait vraiment, vraiment tout seul. Donc, super projet, franchement, que je recommande. Et je me dis, enfin voilà, l'option de la faire marinière, c'est vraiment dans un coin de ma tête, parce que ça peut vraiment être sympa pour l'été. Peut-être le faire en lin, avoir. Enfin, un petit peu, j'en ai jamais tricoté donc je sais pas trop si ça s'appropriera bien, mais ça peut être une idée. Donc voilà pour le premier projet fini. Alors, pour le deuxième, donc c'est le pull que j'ai testé. Pour le deuxième projet fini, donc c'est le pull que j'ai testé pour Anna, donc Along avec Anna. Donc c'est le pull Mathilda. Donc pour la laine, c'est la laine The Woolly Skin, coloris Pearly Pink. Il m'a fallu 280 grammes pour le faire. Moi j'ai testé la taille 105, il me semble. Oui. Pour avoir un effet loose en fait. Comme le pull Mathilda est un pull dont le corps est droit, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Et je voulais un petit effet un petit peu plus blouson, etc. Donc du coup, j'ai testé la taille 105. Pour le point, c'est le point de semis. Comment dire? Donc le point de semis, on m'a demandé si c'était accessible ce patron, etc. aux débutantes, mais totalement, parce qu'en fait, Anna a fait un boulot mais magnifique sur le patron. Elle explique chaque section pour chaque taille dès le début comment vous devez placer vos points, en fait. Il n'y a vraiment que au niveau des manches, où là c'est normal, comme vous faites beaucoup de diminutions, c'est vous qui en fin de rang ou en début de rang voyez que si vous pouvez faire où vous commencez votre point, mais franchement sur le col, enfin, sur vraiment tout le corps. Les manches, elle vous explique bien où placer le point de semis avec des diagrammes. Enfin, vraiment, vous êtes accompagné de A à Z. Donc, pour quelqu'un qui débute, enfin, voilà, si vous savez tricoter en rond, voilà, c'est la seule chose dont vous devez savoir faire avant. Parce que franchement, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc, ça va vraiment tout seul. Enfin, c'est vraiment un travail de fou de se dire que pour chaque taille, vous avez une page avec votre taille et tous les diagrammes dont vous avez besoin en fait. Pour faire votre pull. Autre chose pour le pull, c'est l'encolure. Elle est vraiment enfin, un petit peu arrondie, donc elle n'est pas décolletée. Donc, vous voyez pas voilà, l'essence de vos seins ni rien, mais elle est super féminine, elle est assez arrondie, donc je mettrai des photos de ma version portée. Et en fait, c'est vraiment, enfin, l'encolure est vraiment, vraiment top. Pareil, vous ne voyez pas les soutiens, la bretelle de soutien-gorge non plus. Moi, j'ai fait des manches, comme à mon habitude, trois quarts. Voilà. Au niveau des coloris, hop. Donc, c'est la première fois que je tricotais de la laine The Wool Skin, mais en fait, enfin, la nuance elle est folle quoi. Il y a un peu de taupe violine, un petit peu de rose pâle, de rose un peu caramel, enfin, c'est vraiment, vraiment super joli. J'ai pas de démarcation entre les échevaux, ça c'était vraiment aussi un bonheur à tricoter, j'ai rien alterné en fait. Donc vraiment top. Comme je vous disais, le corps est tout droit. Le raglan se fait avec une petite maille. Donc c'est super joli et féminin aussi. Voilà. Et souvent, comme enfin, les patrons d'Anna, vous avez aussi une version enfant de ce pull. Donc c'est un petit pull pareil en point de semis, avec une petite collerette qui est vraiment super super jolie, que j'ai fait à Océane aussi. Donc du coup, voilà, les duos Murphy d'Anna sont vraiment toujours super modernes et vraiment bien, et la version enfin, femme est vraiment adaptée. Vous n'avez pas la collerette comme les enfants, mais du coup, avec le même point et tout, ça peut vraiment faire un bon duo sans faire trop, enfin, sans faire too much en fait. Vraiment, vraiment top. Il a été tricoté en 3,25. Il va assez vite, et comme je vous dis, enfin, elle vous accompagne vraiment comment plein. Elle vous accompagne. Calme-toi Lily, tu as le temps. Elle vous accompagne vraiment pour comment placer votre point en fait. Voilà, vous êtes vraiment hyper guidé. Vous n'êtes pas laissé tout seul à devoir réfléchir. Attends, je vais faire ça comment? Non, franchement, le patron est vraiment vraiment bien fait. C'est vraiment un pull que je recommande. Donc là, moi, je l'ai fait dans un coloris qui passe aussi bien au printemps que à l'automne. Donc je suis vraiment super contente. Donc voilà. Donc franchement, top top top. Et du coup, si vous voulez un peu d'aisance, par contre, prenez une taille au-dessus.
Parce que je crois que du coup, je sais, enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était 3 ou 5 cm. Donc si vous voulez un pull un peu plus loose, voilà, n'hésitez pas à prendre la taille au-dessus de celle que vous prenez d'habitude. Et voilà, donc, franchement, encore un super test que j'ai fait pour Anna. Donc voilà pour ça. Le prochain projet, donc c'était aussi un test knit que j'ai fait pour Nadia Crétin-Léchaine. Donc c'est une écharpe. Changer. Donc un wrap écharpe en dentelle. Donc hop, que je vous montre la version. Si je vous montre le début, la fin. Donc voilà. Donc vous commencez par ici, par du point mousse. Et j'ai pas assez de recul. Voilà. Donc en fait, ça va partir un petit peu en pointe, mais vous gardez toujours le même nombre de mailles. Donc il y a moins de 100 mailles tout le long. Donc après avoir fait des châles à plus de 600 mailles à la fin, c'est un peu bonheur, bonheur total. Donc elle faisait en gros un écheveau de couleur principale et 3 mini de 20 grammes. Moi j'avais pas de mini qui me convenait, etc. Donc du coup j'ai eu l'idée de le faire avec un coloris à speckle. Donc le coloris, moi c'est le Madeline Tosh, que je vous dise pas de bêtises, Cosmic Wonder Dust. Et un coloris gris que m'a offert ma copine Sophie. Donc je suis partie voilà sur 2 couleurs et pas 6. Et en fait, donc vous avez des alternances de. J'ai perdu le début. Vous commencez par des rangs de points mousse. Vous commencez à faire une jolie dentelle, un peu comme le laminat wrap, un peu l'effet, mais en moins large. Après, vous passez sur des rayures. Hop, vous repassez sur des rangs de points mousse pleins, vous refaites de la dentelle, vous refaites des rayures, etc. En fait. Donc, arrivé au nombre de rayures, donc il y en avait 5, de rayures de répétition de dentelle, il me restait encore 25 grammes, il me semble. Donc, j'ai demandé à Nadia si je pouvais continuer de faire une répétition de 2 sections de dentelle pour essayer d'aller au bout de mes écheveaux. Donc, en fait, elle m'a dit oui, il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai fini. Donc du coup, j'ai fait une répétition de plus de dentelle. J'ai fini avec un 3,5 g de coloris contrastant. Et en fait, quand vous avez fini de faire toutes ces répétitions, vous finissez toute votre couleur principale en faisant voilà, jusqu'à la fin. Vous continuez la même chose qu'en point mousse avec le coloris principal. Donc en fait, j'ai tout fini mon coloris principal. Il me reste rien, il me restait ça en fait, 5 cm. Et ma couleur contrastante aussi. Donc c'est vraiment un bonheur aussi de ne pas avoir de reste. Surtout quand vous aimez vraiment vos couleurs, etc. Je pense que ça peut être vraiment sympa si vous voulez le faire du coup au lieu d'acheter des écheveaux ou si vous n'avez pas de reste pour faire les mini de 20 grammes. Du coup partir sur 2 écheveaux et en fait vous pouvez les finir complètement. Le seul truc c'est que du coup votre section de points mousse à la fin sera moins longue. Mais voilà, moi ça ne me dérange pas. Et du coup au niveau de la longueur. Ça fait une bonne envergure de bras et demi, donc je vous mesurerai, je vous mettrai ça dans la barre d'infos la longueur. Mais franchement, c'est vraiment top pour une écharpe et vraiment le point. C'est vraiment un bonheur à tricoter. La dentelle se retient hyper facilement. Pourtant, je suis pas une grande experte de la dentelle, mais franchement, c'est vraiment un bonheur. Et après, enfin, voilà, vous pouvez vraiment varier les versions en changeant la laine. Donc voilà, je recommande vraiment ce patron, il est vraiment vraiment bien. Et il est tellement bien que pendant que je tricotais, je me disais, mais t'as aussi des restes que j'utilise du coup dans les tons roses, etc. pour faire ma blanquette. Et j'ai des gros restes, 30, enfin, je me dis, mais je peux peut-être en piquer 20 grammes pour faire. Pour refaire une version. C'est une version que j'ai tricote, enfin que je tricote en duo avec Sophie. Ça, je te fais des gros bisous. Donc du coup, hop. Donc ça, c'est ma deuxième version. Donc le coloris principal, c'est Madeleine et Philibert coloris Bruges. Le premier coloris contrastant ici. Donc c'est de la Mary Soie des Vilaines. Je crois que c'est Light Pink, il me semble, que m'a offert Manu, donc Zebra Mamaoul. À qui je fais des gros bisous aussi. Après, c'est un reste de coloris Brighton de Madeleine et Philibert. Voilà, on continue. Hop. Donc là, c'est pas vraiment un reste, j'ai 3 écheveaux de ce coloris. Donc c'est le coloris
rose caramélisé, non, éclat de rose caramélisé de laine amourée. Et en fait, j'ai piqué, voilà, je crois que ça m'a 14 grammes à mes 3 échauds pour le mettre ici. Hop, et on continue. Du coup, après, ça, c'est le coloris pot pourri de laine vilaine en Mary Single. Voilà. Et après, on finit avec le coloris au stand de Madeleine et Philibert. Donc, c'est un châle 100% laine française. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, après, j'ai fini. Et après, j'ai fini la totalité de mon écheveau de Liège. Donc, c'est de la mérissoie. Je sais pas si je l'avais dit. Donc, vraiment un bonheur du début à la fin à tricoter. Donc, là, j'ai tous les fils à rentrer. Parce que, du coup, moi, j'ai coupé à chaque section pour bien que ça soit net. Voilà. Et du coup, j'ai fait un petit peu un fade entre partant de ici, en passant par là. Voilà. Donc, c'est vraiment. Un super projet, donc vous pouvez mettre des restes, vous pouvez utiliser comme cette version-ci deux écheveaux pleins. Donc vraiment, c'est hyper versatile. Ça change aussi un petit peu au niveau de la forme des châles, etc. Enfin, demi-lune, etc. Là, c'est vraiment une écharpe, mais c'est vrai que ça change un peu. Donc voilà pour ces deux versions. Donc je recommande vraiment le patron. Je parle du patron depuis 5 minutes, je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas dit le nom. C'est le Natural Woman de Nadia Crétin-Leschène. Je vous le mettrai avant incrusté dans la vidéo parce que voilà, ça fait longtemps et on perd vite l'habitude. Donc voilà pour ces deux derniers projets finis. Donc voilà, 22 minutes, ça va, on a bien parlé. Donc voilà pour les projets finis. Donc on va passer aux projets en cours. Donc mon premier projet en cours qui est quasiment, enfin, qui est quasiment fini, qui est bien avancé, je ne peux pas vous le montrer. Parce qu'il s'agit d'un test knit secret. Voilà, donc je ne vais rien vous en dire, c'est juste un châle à deux couleurs, tout ce que je peux vous dire au départ. Je l'ai mis dans mon super pochon que j'ai acheté à Margeva. Je ne sais pas si. Margeva. Petit flamant rose avec une petite boucle qui est trop mignonne. La fille qui galette. Voilà, une petite broderie. Franchement, il est vraiment super bien. Il y a un petit ici de quoi mettre ses anneaux marqueurs, etc. Donc, je vais juste vous montrer les couleurs. Donc, ça sera pardon, en single. Pour ça change. En single, donc le coloris c'est Sand Blanc Sand Bank de Malabrigo. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il soit plus beige, plus clair. Mais au final, c'est pas plus mal. Comme ça fait un bon contraste avec ce coloris-là, qui est plus nuancé que ce que je veux bien vous montrer la vidéo. J'essaierai de vous mettre les références et une photo peut-être, pour que vous voyez mieux. Donc c'est. Je ne sais plus. J'ai un peu zappé le nom. Je vous mets le nom écrit, ça sera plus. Donc ça, c'est pour un châle. Voilà, j'en suis au plus de la moitié, ça va, voilà, il ne reste plus qu'une dentelle et après c'est un peu plus simple, donc du coup ça va être vite être fini aussi. Et je peux pas vous en parler, donc j'en reparlerai la prochaine fois, parce que le patron sort aux alentours du 13 juin. Donc voilà, ça va pas tarder, je vais pas tarder à pouvoir vous en dire plus. Donc voilà, pour le projet en cours, le deuxième projet en cours. Alors, c'est le big fail de l'année tricotesque. Donc, pour la laine, c'est The Wool Barn coloris Sugar Rush en twist stock. Voilà. Donc, c'est le coloris qui ressemble beaucoup au coloris Teacup. Je ne sais pas si j'ai pris. Qui ressemble beaucoup au coloris teacup. Par contre, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. La laine est un peu plus naturelle sur le teacup, c'est un tout petit peu plus jauni, entre guillemets, hein, c'est plus écru en fait. Là, c'est plus naturel, et en fait, les speckles, il y en a donc des roses, des
des taupes. Il y en a un tout petit peu de bleu, mais c'est vraiment plus grisé. Voilà, donc c'est un petit peu moins bariolé que la teacup. Enfin, ça reste des laines assez douces, etc. Mais les speckles sont un petit peu moins bariolés, il y en a un petit peu moins. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire le gilet. Donc, le gilet sand. Donc, je ne sais pas si c'est le nom de la créatrice. Ah si, Anna Maria Odgos. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Donc voilà, donc c'est un gilet à pans, ça ne se ferme pas, donc comme les gilets que j'aime bien. C'est un tout petit peu cropped, donc moi je vais l'agrandir un tout petit peu. Et en manche rocker. Voilà, pour porter sur des robes, etc. cet été, ce printemps-été, ça peut être bien. Donc, j'avais mis une photo hier où le corps était quasiment fini, il me restait 6 rangs à tricoter. Et en fait, en regardant aussi comment. Donc c'était juste faire les côtes en fait de fin. Je regarde un petit peu les explications des manches et je me rends compte qu'en fait, je me suis trompée. Souvent les explications des manches, quand vous relevez, ça vous dit 12 mailles, placez le marqueur, 12 mailles par exemple. Ou enfin, comment dire, montez autant de mailles, vous placez le marqueur, montez autant de mailles. Là c'est écrit 12 mailles, montez 12 mailles, placez le marqueur au milieu. Et en fait, j'ai lu trop vite. Et en fait, j'ai cru lire 12 mailles, mettre le marqueur 12 mailles. Je dis, ah oui, ça je sais, tac tac tac. J'ai tricoté 31 cm de corps. Voilà. Et au moment d'essayer, je me suis dit, c'est large. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez féminin. C'est pas le truc un peu trop Toulouse, enfin trop loose. Et je me suis dit, oui. Et en regardant les explications, je me suis dit, d'accord. Donc, en plus là je suis au milieu d'un rond. Donc j'ai dû détricoter un écheveau. Donc en tout, j'ai détricoté 135 grammes. Joie et bonheur en 3,5. Donc voilà, donc j'ai tout repris jusque aux emmanchures. Donc là voilà, je suis en train de monter 6 mailles d'un côté, 6 mailles de l'autre, et non pas 24 mailles. Voilà, donc l'emmanchure me paraît plus convenable et le corps sera du coup beaucoup moins gros. Donc au niveau de la construction, par cette petite erreur, donc en fait c'est super sympa, c'est vous montez, donc je vais pas trop en dire, je vais pas dire le nombre de mailles, mais vous montez autant de mailles, vous partez en triangle, en rectangle. Après vous repartez d'un autre côté, puis un autre côté, puis un autre côté, puis un autre côté, et en fait ça vous fait vraiment tout le haut de votre encolure. Et ce qui est génial avec ce gilet, c'est un peu comme le manzo, etc., c'est que tout le contour est monté en même temps. Comme le péridot aussi, enfin, il n'y aura pas le gros relevage de mailles de tout le pourtour pour faire des côtes ou autre. Non, non, là voilà, vous commencez ici, vous repartez d'un côté, vous relevez les mailles, après vous les rajoutez. Enfin, c'est vraiment hyper hyper sympa à faire. Franchement, même si c'est un projet tout en comment dire, j'ai dit en stockinette, en jersey. C'est vraiment sympa. Pour éviter que ça roule, donc ils vous font faire pardon, un SSE, c'est un espèce d'I-curl à chaque début et rang du contour. Donc ça pareil, c'est vraiment un petit plus. Et du coup la laine tricotée, elle est super super jolie. Pas du tout ce que j'aime, hein, bien sûr. Au petit passage, je vous montre les petits anneaux marqueurs que m'avait offert Mélise, que j'ai gagné à un concours. Un lot pour le cal de la blanquette. Donc voilà, j'avais fini le corps, enfin quasi fini le corps, et là je reprends tout. Mais bon, ça sera mon fail de l'année, c'est voilà, c'est faire des tricots quand. Donc voilà, c'est un peu ma faute, il était trop tard, j'aurais dû juste poser le tricot, aller lire un livre au lieu de m'acharner dessus, parce que la laine, voilà, c'est hyper addictif, mais bon. Et en même temps, j'adore tellement la laine qu'il valait mieux que ce soit sur ce projet-là, que voilà, il n'y a pas de dentelle, pas de choses comme ça que je me rende compte. Et voilà, donc allez moins vite, note à moi-même, allez moins vite. Donc voilà pour les tricots en cours. Au niveau des futurs projets. Donc, niveau tricot, j'ai fait du tri avec des copines de nos armoires, etc. Donc on va faire un vide dressing comment dire, sur Instagram. Mais j'ai aussi un peu trié mes tricots que je portais moins, les petites choses où je change, etc. J'ai retrouvé mon Ravelo que j'ai porté que deux fois au final. Donc là je suis en train, j'ai sorti les fils pour
commencé à les tricoter. Donc je vous le remonte, le Ravello. Voilà. Donc dans le projet, en fait, vous voyez, j'ai plus de rayures que le vrai modèle. Parce que je m'étais dit, je vais finir mes restes, enfin là, les chevaux complets, etc. Je vais le finir pour maximiser et tout. Mais j'ai fait tellement de rayures. En fait, là, elles sont placées du fait qu'elles encadrent vraiment ma poitrine et du coup, ça fait un peu carré, ça fait voilà, c'est disgracieux, c'est pas ce qui met en valeur ma silhouette. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va redéfaire donc les manches aussi vu que ben, j'ai fait pareil sur les manches. Donc je vais redescendre, voilà, faire que 4 rayures du corps. Donc on va s'arrêter ici. Et après du coup, j'ai racheté des écheveaux à mon amie Aline de. Alors c'est Gaillette, coloris Gaillette de la Fécile. Et je me suis dit, je vais les utiliser parce que là j'en ai pas assez pour reprendre d'aussi haut en fait. Et je vais faire plus un modèle un petit peu plus évasé aussi, parce que c'est vrai que le Ravello est assez fité. Et du coup avec mes jeans, etc., comme je porte souvent des ceintures, ben j'aime pas trop parce que du coup ça gondole au niveau du ventre parce qu'on voit votre ceinture à travers et j'aime pas trop ça en fait. Ils sont trop longs pour que je puisse les mettre au-dessus. Donc voilà, donc je vais détricoter les manches. Et puis pareil, comme j'ai fait des rayures sur les manches, je vais devoir rattraper les bouts pour essayer de faire quand même finir avec ce coloris-ci, donc qui était la Féfile du Vent dans les Cendres. Donc voilà, donc ça va être un projet un peu peut-être un peu chiant, mais en même temps, je me dis que voilà, je le porterai plus en fait. Donc je me suis fixé un petit objectif, c'est de regarder de temps en temps dans mes tricots pourquoi je les porte moins. C'est juste parce que j'aime moins, etc. Donc il y a ma maman qui fait la même taille, etc. Je peux, enfin voilà, je peux lui offrir si jamais elle m'a déjà, enfin, j'ai déjà comme ça offert deux châles que je portais moins parce que du coup je m'étais tricoté autre chose qui me plaisait plus. Donc on s'échange, il n'y a pas de souci. Mais là par exemple, c'est vraiment juste une erreur de ma part, j'aurais pas dû faire autant de rayures. Donc là, je vais juste prendre le temps de défaire et de faire différemment. Donc c'est un autre processus, mais c'est voilà, je suis contente de me dire que bah, voilà, je vais arriver à faire quelque chose normalement de plus portable parce que voilà, j'aime vraiment bien les couleurs que j'ai choisies. Donc là, c'est du caramel au beurre salé de Léna Mouret, la Féfile dans les cendres. Là, c'est du coloris aubergine de By Simone. Et du coup, je vais récupérer le gros reste et j'arriverai à le caser dans un châle ou dans des rayures, etc. Ça, je me fais pas de soucis sur ce coloris-là. Donc voilà pour le premier projet qui sera fait, voilà, sûrement courant de l'été, début d'automne. Et comme on part bientôt en vacances, j'ai commencé à réfléchir aux encours que je prends avec moi. J'ai pas encore commencé à faire ma valise, mais mes encours tricot, c'est déjà quasiment fait. Donc le premier projet que j'emporte avec moi, donc c'est la laine, c'est les jolies Milly. Le coloris, c'est 0,24 de Love Sock. Donc, super coloris pour faire des chaussettes auto-rayantes. Donc, je vais faire deux petites pelotes pour vraiment avoir 50 grammes des deux côtés, enfin, la moitié de chaque côté. Vraiment que là, mes chaussettes soient équilibrées. Et pareil, comme moi, je ne les fais pas très hautes. Je me dis que avec le reste, je ferais bien des petites moufles à Océane, comme ma fille a 2 ans et 4 mois. 5 mois. 2 ans et 5 mois. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi de lui faire des petites moufles. Donc si j'ai des restes, à mon avis, ça sera ça. Comme c'est auto-rayant, je ne les mets pas dans les blanquettes. Les blanquettes, c'est vraiment des petits carrés unis. Donc du coup, je pense que je pourrais peut-être lui faire des petites moufles. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ce petit. Où là, je suis en train de me dire des moufles pour moi et des moufles pour ma fille ou les chaussettes. L'éternel dilemme de la tricoteuse qui réfléchit trop. Bon, voilà, c'est ça, ça part avec moi, ça sera des moufles ou des chaussettes, mais voilà. En petit projet, en gros projet, parce que du coup, on part dans le sud de la France et du coup, on a 10 heures de route, quasiment un peu plus, vu qu'on va s'arrêter, etc., une bonne douzaine d'heures de route. Je me suis dit qu'un boxy tout en rond, ça pourrait être pas mal. Donc pour la laine, alors là c'est carrément plus automnal, comme coloris. Ma face grise, pardon, revient. Donc c'est le coloris pétrole de Viking Yarn. Donc c'est un gris, un peu anthracite, un peu plus gris que ce que vous voyez, je pense, avec plein de speckles de couleurs.
Donc je me suis dit que avoir un boxy, il faut que j'aie le courage de monter les petites côtes avant, pour partir, enfin pour les heures de route, ça pourrait être vraiment pas mal, parce qu'on va faire pas mal de voitures. Je me suis dit, voilà, je peux tricoter la nuit, c'est du jersey, il n'y a pas d'augmentation, c'est toujours tout droit en rond, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc voilà, je te rejoins Héloïse dans la mer de jersey du boxy bientôt. Et à côté de ça, youp, j'en ai pris qu'un. Ah, petite chute, je disparais. Et à côté de ça, je me suis dit qu'un petit projet un peu plus coloré, avec un petit peu plus de réflexion, ça serait sympa. Et du coup, hop, donc le combo c'est ça. Pour un pull normalement confetti de Vera Malmaki, il me semble. Le pull confetti en tout cas. Donc c'est de la Edge Row Yarn Coloris Sand. Silk. Donc j'en ai deux pour le coloris principal et en coloris contrastant, donc c'est la bien aimée que j'ai eu dans un destache. Coloris Pandemonium en BFL Touchstock pour les rayures. Donc ça serait normalement hop, ce combo-là. Donc du coup j'hésitais entre un Breathing Space qui a vraiment bien la forme ou un confetti. À part un petit peu ce que, enfin un peu modifié parce que j'ai passé de laine pour faire un vrai confetti. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal non plus. Donc ça, c'est le projet un petit peu plus travaillé. Le projet pas prise de tête spécial quand on va jouer au jeu de société le soir avec mon mari. Et le projet voiture. Voilà, j'essaye de tac-tac-tac, sachant qu'il y a des projets broderie, etc. qui vont se greffer. Mais voilà. Voilà pour les projets en cours, pour les projets futurs. Pour les achats. Donc j'en ai pas fait beaucoup. Il y a eu. Ah oui, c'était Lévilaine qui ont fait ça il y a je sais pas, peut-être 2 semaines. Elle a posté un post sur Instagram pour dire qu'elle modifie un peu ses prix, etc. Parce que c'est vrai que la laine teinte à la main n'arrête pas d'augmenter. Donc forcément, enfin, pour qu'elle garde son bénéfice, elle n'avait jamais augmenté ses prix. Donc elle augmente de quelques euros. Elle disait la boutique est pleine encore, mais si vous enfin, jetez un coup d'œil avant que les prix augmentent, si vous trouvez votre bonheur. Et en fait, je m'étais dit, j'aimerais bien refaire un autre boxy parce que celui-ci, en fait, est assez foncé, ça fait vraiment plus automnal. Enfin voilà. Je m'étais dit, quelque chose de plus passe-partout qui peut faire printemps, été, un peu automne, ça serait bien. Et en fait, j'ai vu un coloris caramel. Pardon. Ils étaient à 15, donc c'est la quelle base que c'était. La base chaussette, donc fingerine, nylon, voilà, pardon, excusez-moi, 75% laine, 25% nylon. Le coloris, c'est sortir de la marmite de cuivre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, banco, je vais pas en faire un boxy parce que du coup, j'ai déjà mon Breathing Space uni qui est dans la couleur caramel au beurre salé de laine amourée. Donc, je vais pas refaire un deuxième pull caramel. Par contre, je me suis dit qu'un coyette, un coyette. Un Quiet Star, ça serait vraiment pas mal comme j'y vais. Et je me suis dit, mais si on a 4 banco, je les prends, sinon t'es raisonnable, tu continues ton bail. Et il y en avait 4. Donc j'étais un petit peu obligée, vous êtes d'accord, enfin voilà, c'était un signe. Donc ça m'a fait rire parce qu'hier soir j'ai vu aussi Cécile de Gaufre Mes Mains qui a 4 échevaux de laine amourée caramel beurre salé qui se disait, ben je vais, voilà, il faut que je fasse un Quiet Star avec. Bah oui, je te confirme, il faut. Donc voilà, donc ça sera peut-être pas un projet tout de suite, je vais pas prendre ça pour aller en vacances, comme il y a un peu de dentelle, etc. Je préfère être voilà, projet un peu plus simple, juste des rayures et du tout droit pour la voiture. Mais voilà, pour les achats, c'est ça. Donc voilà. Donc on va passer aux autres loisirs créatifs. Donc il y a de la broderie, de la couture, du martelage, de la papeterie, du flocage. Donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup de tri en début de mois. Parce que là du coup je commence à trier donc l'atelier. Je vais faire sûrement une vente. Voilà, j'ai des petites choses, donc je ne vais pas forcément me servir. Donc du coup. Faire de la place, etc. Donc je fais ça sur Instagram. Et j'ai plein de magazines, etc. Donc j'ai commencé à trier, réorganiser, du coup comme j'ai changé des petites choses dans l'atelier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup
de livres en fait de couture. J'en avais acheté quelques-uns, pardon, des magazines Molly par exemple, où j'aimais bien des projets où je me disais, ah oui, ça c'est sûr, je le ferai. Et en fait, j'ai une petite fille, etc. Donc, je rigole beaucoup. Donc, je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, quand je tricotais pas, je culpabilisais un peu de pas tricoter. C'était un peu bizarre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait un post, c'est le procrastinating. En gros, quand vous faites autre chose, vous culpabilisez de ne pas tricoter. Problème de tricoteuse, je comprends que la plupart des gens ne comprennent pas ce problème. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes avant et que là, j'étais vraiment un peu trop ciblée peut-être sur le tricot quand même. Une phase où c'était bien, là, je vois que ça commence à me manquer. Donc je me suis lancé un petit défi en fait. Je me suis dit, tu prends un magazine, n'importe lequel, tu regardes dedans ce que tu as envie de faire et tu le fais. Chaque mois, je choisirai un magazine, je regarderai un petit projet et je me lance en fait. C'est un petit défi pour me sortir un petit peu de la routine du tricot, même si j'adore tester, enfin, je teste beaucoup de choses. Enfin, c'est, je m'ennuie pas dans cette routine, mais c'est vraiment, ça manque de faire un petit peu autre chose aussi. Et donc, du coup, je me suis lancé ce défi et lancé ce défi. Tout en parallèle, en fait, on a fait un petit groupe sur Instagram de discussion avec Aïmi, donc Sogoknit, Laura Léninféa et Héloïse Ricololoute, où on parle souvent, donc elles ont démarré bien avant moi la couture, etc. Donc du coup, on se lance, enfin, on commence à se montrer des projets, on voit qu'on a les mêmes goûts, on se dit, ah, on ferait peut-être pas ça, on ferait ça ensemble et ça ensemble. Donc du coup, je me suis dit, bah, banco, c'est le moment, lance-toi dans la couture, ça faisait longtemps que tu en avais envie. Et puis voilà, enfin, ça m'intéressait. Enfin, donc j'ai regardé un cours sur Artesane. Il y a un cours qui est gratuit, donc le premier pour apprendre les bases de la couture, qui est très bien fait. Donc j'ai regardé ça. En parlant avec les filles, je me suis rendu compte avec Héloïse qu'on avait le même livre couture en fait. Et j'essaie de me trouver. Oh, pipe. Qui est celui-ci? Donc apprendre à coudre ses robes et ses petits hauts, et en fait, donc elle en a déjà fait plusieurs, donc c'est le modèle. On s'est inversé. C'est le modèle Stockholm, donc celui-ci, donc pas encore en robe, mais qui nous plaisait bien. Du coup, en parlant un petit peu avec les filles, elles m'ont dit que ça taille assez petit. Donc voilà, moi je fais un 38-40 dans la vie, enfin, j'ai de la poitrine. Donc je suis partie sur la taille 42 en modifiant un petit peu au niveau de la poitrine. Pour info, ça taille un petit peu petit. Donc j'ai commencé à faire des toiles. J'en suis qu'au niveau des toiles, hein. J'ai pas encore eu le temps de finir comme j'attends mon cadeau de la fête des mères, je vous expliquerai après, mais j'attends ça pour. Donc j'avais fait une première toile en modifiant le patron, mais c'était un peu trop modifié. N'ayant pas de. Ça, c'est ma première toile. Donc pour le tissu, c'est la mère de ma meilleure amie qui avait trouvé chez Emmaüs, il me semble, des draps en fait. Et du coup, elle m'en avait donné, j'ai, je crois, peut-être 8 mètres. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tester dedans. Donc celui-là est trop grand, mais je pense le broder, etc. et en faire un haut de pyjama par exemple, pour rester à la maison. Et du coup le deuxième, j'en suis. Alors, j'ai pas encore fini de poser, donc ça va être peut-être un peu bizarre, mais. On a joué avec enfin, ma fille a joué avec, donc il est pur, pas c'est bien. Mais voilà. Ça qu'on donne. Je sais pas trop, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, j'ai commencé à poser le biais qui va être à l'intérieur. Donc ça sera propre comme ça à l'intérieur. Mais j'ai pas encore cousu. Parce que pour la fête des mères, mon mari et ma fille m'offrent. On a passé une petite commande sur Askol. Du coup, j'ai notamment commandé un petit fer, un mini fer pour bien refaire les petites coutures, les petits ourlets. Parce que ma grosse centrale vapeur, la montée à l'étage dans l'atelier, la redescendre, voilà, c'est un peu trop pénible. Donc, et puis, toutes mes copines m'ont dit qu'elles l'avaient, qu'il était vraiment bien. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça me paraît bien. Donc, voilà, donc ça, c'est ma toile. Ça a été, enfin, c'est hyper rapide de construction. J'ai juste changé un petit peu donc, au niveau de la poitrine pour adapter un petit peu mieux pour moi. Donc, vous allez voir, normalement, j'ai prévu d'en faire deux ou trois.
parce que le modèle est vraiment basique. J'ai prévu d'en faire une en broderie anglaise, une en imprimé. Donc j'hésite encore, je vais vous montrer. Et une autre en plumetis. Donc voilà, choisir, changer un petit peu. Et en fait, je trouve que c'est vraiment les tops un peu parfaits pour mettre sous les gilets, notamment celui-ci. Bah, je me dis que ça marcherait bien. Hop. Donc, je prends un petit peu de café, je me suis assoiffée. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, donc j'ai prévu de faire plusieurs tops de ce livre qui me paraît vraiment bien, accessible aux débutantes. Enfin voilà, je suis vraiment débutante débutante. Hein, c'est notamment celui-ci par exemple. Avec des bons verres. Donc du coup ça peut faire des bons basiques pour démarrer la couture. La version robe aussi est très jolie. Il y a une version plus blousante. Voilà. Donc vraiment je me suis dit pour partir sur des bases, ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, donc premier patron, bientôt premier t-shirt. Donc normalement vous en verrez plus dans le prochain épisode, après les vacances. Donc voilà pour la couture. Au niveau donc pour les projets en cours couture, c'est fini. Au niveau des achats, donc du coup j'ai fait une petite virée lilloise avec mon amie Sophie, à qui je fais des gros bisous. Donc Sophie a un super compte couture tricot sur Instagram, c'est Little Thing to be Happy. Donc du coup on est allé chez les Coupons Saint-Pierre. Et du coup ben, j'étais déjà allée, mais comme j'avais pas de notion de métrage par rapport à mes projets, etc., quoi acheter, comment faire, comme ils vendent souvent 3 mètres ou 1,50 m, j'étais un peu perdue, je trouvais que ça faisait peut-être beaucoup de tissu, enfin voilà, je regardais sans projet en tête. Là, par exemple, pour le blouse Stockholm, il faut juste 1 mètre de tissu, en 140 ou en 160, je crois. Donc du coup, j'étais partie en me disant ça, j'avais commencé à regarder aussi des petites coutures pour Océane. Et du coup, pour les petits t-shirts, il fallait que 50 cm, 40, enfin, quand même encore un peu petite. Du coup, je m'étais dit, ah bah 1,50 m, ça peut être cool. Et du coup, alors, je sais pas si vous avez... Ah, voilà. Donc là, j'ai pris de la broderie anglaise, donc un peu géométrique. Voilà, pour faire du coup le top Stockholm et un top pour Océane. En fait, comme j'ai 1,50 m, j'aurai de quoi faire un petit top pour elle. Et du coup, pareil pour les petites tutes, je vais les garder pour faire des petits habits plus tard à ses poupées. Là, elle commence un petit peu à jouer, donc plus avec son bébé, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa avec les petits morceaux qui restent. Maman, c'est ça, lui faire des petits habits, je me suis dit au moins. Rien ne se perd, tout se transforme. J'ai aussi pris du coup ce tissu-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Il est un peu corail, un peu vermante. Et les branches sont bordeaux. Vous les voyez noirs, mais c'est bordeaux en fait. Donc ce tissu-là. Donc pareil, 1,50 m. Et toujours dans l'idée. Là, je ne sais pas si je vais pas faire une blouse un peu qui m'en faut plus. Mais me dire, oh, si j'ai un reste, ça peut très bien partir pour un petit haut, une petite jupe pour Océane en fait. Là, c'est du plumetis vermante, donc qui est plus vermante que ce que vous voyez, comme il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, c'est un peu. Et. Non, forcément. Voilà. Donc, ça, c'est pour des tops. Et. Hop, ma maman m'a offert deux tissus. Donc, il y a celui-ci d'Atelier Brunette. Et celui-ci pour un haut. Donc j'hésite soit faire Stockholm avec celui-ci ou avec celui-ci. Donc peut-être que pour commencer, peut-être plus celui-là comme il est un peu plus rigide. Là c'est plus une viscose, donc c'est un peu plus fluide. Mais à voir, donc là j'ai 1 mètre à chaque fois des deux. Donc voilà pour les achats à couture. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, et j'ai acheté des billets pour aller avec... Ici pour faire toujours les finitions avec le biais à l'intérieur, en fait, je trouve ça super joli. Le Stockholm en plus le recommande, enfin, c'est dans le patron en fait. Donc j'en ai acheté sur Lille avec Sophie, toujours à la Mercerie Lilloise, une super boutique où il y a de la laine, il y a des super tissus aussi. Ils font des ateliers couture, enfin, c'est vraiment vraiment sympa. Si vous êtes lilloise, n'hésitez pas à faire un petit tour. Donc voilà pour mes achats couture. Donc après. Je reste, je pense quand même,
toujours un peu dans mes tons. Mais en triant ma garde-robe, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de gris, de bleu marine, de noir. Et en fait, je commence avec les tricots, etc., à avoir des choses un peu plus claires, etc. Mais j'avais pas tant que ça. Et je voyais bien que mes t-shirts commençaient un petit peu à être abîmés, etc. Et je trouvais pas forcément dans le commerce des t-shirts qui me plaisent vraiment, des imprimés. Voilà, qui me tape dans l'œil et que la coupe m'aille bien. Donc je suis vraiment contente de commencer avec les copines, qu'on se motive les unes les autres à commencer à coudre. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme ce qui m'a vraiment plu dans le tricot. On peut vraiment bien customiser, on peut vraiment s'adapter à ce qu'on veut, à ses envies. Donc voilà, je pense que c'est un super complément du tricot. Surtout que là, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de gilets. Il y a aussi le Monzo sur ma liste, le Quiet Star dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je me suis dit, il y a un bon équilibre entre se faire les gilets, tricoter, c'est top. Ça peut être vraiment cool. Donc on va essayer de faire ça, voilà. Petit à petit, chaque mois, me lancer un défi patron. Donc là, c'est la Stockholm pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, je dirai quel top je me lance comme défi pour le prochain épisode. Je vais essayer de faire voilà, comme le défi sur les magazines que je vous montrais tout à l'heure. Je vais essayer de me faire ça chaque mois, en fait, essayer de me motiver, toujours tricoter, mais à côté, voilà, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques et de nouveau les loisirs créatifs, en fait. Donc voilà pour la couture, c'est bon normalement. Hop. Donc j'ai aussi brodé. Donc ça c'était mon premier défi entre guillemets. Je vous montre ça. Hop. Désolée pour le bruit, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Donc ma filleule Constance va avoir 3 ans le 20 juin. Ça passe trop vite. Et je vais lui faire un tipi. Donc les couleurs de sa chambre, c'est gris et rose. Donc j'ai acheté du tissu gris, du tissu rose, pardon, à chez Polo Tissu. Donc je me suis dit, j'aime bien faire au niveau du haut du tipi, en fait, une espèce de grosse guirlande, en fait, avec pour mon filleul, j'avais fait un gros N. Floqué, et là je m'étais dit bah, pour une petite fille, je verrais bien un petit rond, un coussin un petit peu en mode coussin au-dessus pour faire joli, et du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, je me suis pas servie de patron, je suis partie un petit peu en me disant je vais faire une petite couronne. Donc, j'avais tracé, tracé ici, alors c'est horrible, c'est tout inversé. Donc j'ai tracé ici, vous voyez, une petite forme pour suivre. Et en regardant dans les petits bouquins où j'avais des petites notions de broderie, etc., je me suis dit, je vais faire des fleurs que j'aime bien. Donc là, oh, on voit pas très bien parce que c'est. Là, c'est un petit coquelicot, une renoncule, etc. Faire un petit peu faire féminin. Donc elle s'appelle Constance, donc du coup il y a son C. Là vous voyez encore, je suis juste partie en dessinant en fait avec un feutre qui s'en va à l'eau en fait. C'est Rico Design qui fait ça. J'avais acheté à la bricolerie, je crois que ça coûte 4 euros, 3-4 euros. Et ça s'en va super bien à l'eau en fait. C'est vraiment bien pratique. Du coup je suis partie dans ces couleurs, donc la toile est grise, comme la toile la majorité de la tente. Avec un petit peu de couleur dessus. Donc voilà. C'est ma première broderie que j'ai faite. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a plein de petits livres qui sont sympas, etc. pour apprendre. Donc c'est vraiment sympa. Et ça va super vite en fait. C'est vraiment top. Donc ça c'est le premier. Donc je vais le transformer en petit coussin pour décorer son tipi que je vous montrerai. Je ferai des photos avant de l'offrir. Et excusez-moi. Et du coup, je pense j'ai vraiment bien, bien apprécié en fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous médicaux ces 2 derniers mois. J'ai eu donc beaucoup de temps en salle d'attente. Merci les retards. Comme il faisait chaud, il y a eu des périodes où il faisait chaud. C'est vrai que sortir son tricot, etc., c'était un peu embêtant, sauf que je tricotais des grosses pièces. Donc je me suis dit que broder, ça pouvait être pas mal aussi. Et là, je suis partie. Donc je vais changer le museau. Mais je sais pas si vous voyez. Un petit alpaga pour faire avec Alors, je sais pas si vous allez voir. On voit pas trop. Donc c'est un petit point de nœud avec une petite selle, etc. Donc pareil, là j'ai juste brodé en fait tous les contours de l'alpaga. J'ai commencé à remplir avec le petit point de nœud. J'ai refait un petit peu une petite selle. Donc je vous mettrai des photos parce que là c'est vraiment tellement lumineux que je vois bien que on voit pas très bien. Il y a juste le museau, donc je suis pas forcément contente.
j'ai pris trop de fil en fait. Je crois que j'aurais dû prendre juste deux brins, faire quelque chose de plus fin, plus dessiné. Donc je vais reprendre son petit nez. Et en fait, c'est pour faire un tote bag. Un tote bag. Donc un projet. Un sac à projet. La fille qui est fatiguée. Donc c'est pour faire un sac à projet en fait. J'avais un tissu imprimé que j'ai pas là sous la main. Mais je vous montrerai la prochaine fois. Donc du coup, je vais refaire son museau et en fait, ce sera la base. Elle sera donc comme ça, marron. Et le haut, en fait, est corail avec des fleurs. En fait, c'est un tissu que j'ai eu chez Cultura, il me semble. Donc je vous montrerai la prochaine fois. Mais voilà, ça c'est ma deuxième petite broderie. Et en fait, du coup, le défi de ce mois-ci, c'est dans ce livre-ci. Donc c'est un Molly Make spécial broderie. Et en fait, donc normalement, il y en a. Enfin, comment dire? Il y a un défi et après une autre idée aussi. Donc en fait, j'ai eu. Hop, c'est ce petit truc-là dont l'idée est partie. En fait, donc ce ne sera pas du tout ce modèle. Enfin, ce sera une encre fleurie, etc. Mais du coup, ce petit sac à projet, en fait, m'a inspiré un coussin. Donc ma belle-sœur Lolita est enceinte, normalement d'une petite fille. Et mes beaux-parents, et elle aussi, adorent la Bretagne. Ils y vont souvent en vacances, etc. Et elle adore plonger, enfin la mer, etc. Et du coup, je me suis dit, mais faire une jolie encre avec un petit peu, donc une petite corde, essayer peut-être avec la corde de broder soit le. Comment dire, que ça fasse la première lettre, donc sa fille, normalement, s'appelle. Enfin, si c'est une fille, je veux dire. C'est un petit garçon, ça sera un autre prénom, mais ce serait Rosanne. Donc faire un petit R avec l'effet corde, ou alors juste faire un petit. Voilà, ça s'entremêle avec l'encre, faire vraiment des fleurs, donc dans le style de ces fleurs-là, un peu en texture, etc., qui décore un petit peu l'encre, et floquer ou broder en dessous Rosanne dessus, comme un coussin voilà, pour mettre sur le petit rocking chair dans sa future chambre. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, donc j'ai pris comment dire, le but en fait de mon défi, c'est bon, je prends un magazine, je trouve un modèle qui me plaît, soit totalement je le fais pareil, soit j'adapte à ce que j'ai envie. Donc du coup, sa chambre, ma belle-mère m'a dit qu'elle serait dans les tons roses, vieux rose, etc. Pas trop, comment dire, pas le rose pétant Barbie ou voilà, quelque chose de plus doux. Donc j'étais partie dans l'idée de faire l'encre soit en gris taupe, soit en bleu marine. J'hésite encore, mais je vais voir un petit peu avec elle. Faire des petites fleurs tout autour et broder son prénom peut-être en doré ou en rose, enfin voir un petit peu avec elle ce qui lui plairait. Je pense que ça peut être déjà enfin ça peut être un petit cadeau bien personnalisé. Après j'ai plein d'autres idées. Tata Gaga, bonjour. Donc voilà, il y a par exemple après aussi il y a le petit alphabet, etc. Ça peut être sympa. Donc j'hésite encore, soit je fais un coussin, soit je fais une espèce de petit comment dire? Le petit fanion pour sa chambre. J'hésite encore, je verrai avec elle, voir ce qui lui plaît le plus. Mais du coup, voilà, pour le mois de juin, le défi, ça sera de faire voilà, cette idée que j'ai dans la tête et voir si j'arrive à le faire sur papier, en fait. Parce que par moment, j'ai l'idée qui est bien dans ma tête et mettre en place par moment, comme si, voilà, j'ai jamais fait de broderie avant, je tâtonne encore. Mais dans l'idée, c'est ça. Et ça fait 1 heure que je parle. J'ai avec ma commande de sac Margeva, chez Margeva, pardon, donc il y a une petite pochette qui est trop chou et en fait, je vais montrer un petit peu. Je me suis dit que ce serait ma pochette de broderie en fait. Donc j'ai mis là pour l'instant juste les petits échevaux que je commence à mettre en place dedans et je crois que je partirai en vacances du coup avec ça, mon petit tambour pour faire pour. Le futur bébé de ma belle-sœur. Donc là, voilà. Donc Margeva, tout est déjà utilisé. Donc voilà pour le côté broderie. Après, j'ai fait des échanges créatifs avec mes tricopines, mes amis, tout ça. Donc là, j'ai fait du martelage par exemple. J'ai fait du flocage. J'ai aussi fait de la papeterie, etc. Donc j'ai déjà offert comment dire, les cadeaux. Donc je vais plutôt vous mettre les photos de ce que j'ai créé, etc. Parce que sinon ça va faire vraiment vraiment long en fait si on fait tout dans les détails, etc.
Je pense que ça sera mieux, voilà, de faire un petit récapitulatif des autres, enfin des créations autres que le tricot, et des choses un peu plus qu'on voit un peu plus en détail. Voilà, pour vous donner des idées, vous inspirer, etc. Donc je vais essayer de mettre ça maintenant, voilà, de mettre des petites photos de tout ce que j'ai envoyé aux copines, pour les bébés, pour elles aussi, parce que du coup, c'est vrai qu'on crée beaucoup pour nos enfants, etc. Mais il faut savoir penser un petit peu à soi, etc. Donc voilà, le but de mes cadeaux, c'était ça, de leur voilà, de faire des petites attentions pour elles, en espérant que tout leur ait plu. Je suis en train de regarder de quoi je voulais vous parler aussi. Ah oui, vous allez peut-être vous demander de où j'ai tiré les photos que j'utilise pour faire les petites phases de sommaire en fait. Donc en fait, je fais beaucoup de en fait. Donc je me suis offert en début d'année, quand je l'ai vu, j'ai un peu craqué, ce Happy Planner. Donc voilà, donc je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications, dans le sens où c'est doré, c'est rose, il y a un alpaga. Voilà. Donc un happy planner, c'est comme ça, c'est fait avec des anneaux. Et donc du coup, donc, je ne l'ai pas encore utilisé parce que ça fait. Donc c'est un agenda pour 18 mois. Et ça commence au mois de juillet. Donc voilà. Il y a voilà, tous les mois qui sont ici. Et en fait, le petit côté qui coule. C'est qu'à chaque début de mois, donc vous avez une page un petit peu récapitulative et vous avez des phrases inspirantes, etc. ou des petits dessins. J'essaie de trouver. Tic, 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 tic. Là, vous avez des dessins par exemple. Donc à chaque fois, une page récapitulative et en fait, le mois est comme ça. C'est des cases. J'essaie de vous trouver. Là, par exemple, ça c'est janvier. Donc voilà, il y a toujours à chaque onglet, en fait, vous avez une petite phrase inspirante ou des dessins. Et du coup, la vue globale, c'est comme ça. En fait, votre mois, vous avez des rectangles et vous pouvez, du coup, matin, midi et soir, et vous organiser un peu. Moi, je vais l'utiliser surtout pour les rendez-vous médicaux, mes créations, quel jour je vais faire quoi, plus de couture, plus d'autres choses. Donc voilà. Donc ça c'est donc ça vient donc c'est un happy planner, ça vient de Me et My Big Ideas et je crois que ça coûtait je l'ai eu en solde sur un site, moi j'ai payé 16 euros. Mais je crois que c'était plus cher, je crois qu'il devait coûter 25 ou 30 sans réduc. Donc voilà, donc j'ai tiré de là les petites intros que vous voyez. Sinon j'ai passé une commande chez donc c'est Leslie Ann Médite. Un petit pins pour mes sacs à projet. Donc la perfection est un mythe. Voilà, pour tout le mieux, l'ennemi du bien, etc. dans le même genre. Et du coup, en fait, quand vous achetez un petit pins, c'était fou, c'est qu'il y a une petite carte. Donc c'est elle qui dessine. Avec des petites citations hyper hyper cool en fait. Donc du coup, vous commandez, enfin j'ai commandé juste un pins. Et voilà, j'ai eu deux petites cartes que je vais accrocher. Enfin, c'est vraiment. Enfin, voilà, le paquet était top. Et ce qui est encore mieux, c'est que le dos du pins, en fait, ça protège vraiment. Parce que par moment, comment dire, la pointe sort un petit peu. Et du coup, sur certains pins, pardon, que je porte ici sur mes gilets, sur mes pulls, je me fais. Enfin, par moment, ça m'abîme un peu. Donc du coup, je suis vraiment contente. Et, voilà. Se rappeler qu'on fait des petites erreurs parfois, c'est pas si grave. Pardon. Sinon, au niveau des achats, j'ai acheté quelques livres ce mois-ci. Donc, il y a le livre, on l'a beaucoup vu sur Instagram, du doodling créatif. Donc, c'est un peu dessiner des plantes, etc., avec de l'aquarelle. J'ai pris ça. Donc, vous avez plein de petites choses à faire, des petits exercices, etc., tout au long. Donc, vous avez un petit. C'est déjà en soi un carnet créatif. Moi, je me suis pris un carnet comme ça, donc qui est rose fuchsia. Il est pas là, je le vois bordeaux à l'écran, mais il est rose fuchsia. Et en gros, c'est pour reprendre quand je lis les livres, etc. Je note souvent des citations dans un carnet. Et là, j'aimerais bien reprendre ces citations et les décorer avec ce que j'aurais appris là-dedans. En fait, me faire un petit carnet rien que pour moi, avec vraiment ce que je retiens. Enfin, par moment, je note des citations ou des petites phrases qui me font réfléchir, etc. Et j'aimerais bien les mettre du coup
en, comment dire, en avant vraiment dans son, dans un petit carnet personnel. Donc je ne sais pas si j'en ferai des photos sur Instagram ou pas, je ne sais pas. Mais je me disais que ça pouvait être sympa d'allier les deux. Voilà. Du coup, mon chéri pour la fête des mamans m'a pris ce livre, donc toujours dans le même style. Pardon. Parce que je me suis acheté un kit d'aquarelle chez Action. Je crois que j'ai dû payer 2,40 €. Et j'ai commencé à faire des petits essais, etc. Mais du coup, je manquais un peu. Enfin, je n'ai jamais appris à peindre. Je ne sais pas bien dessiner non plus. Donc voilà. Donc il a vu ça à la Fnac. Donc il me l'a offert. Et du coup, c'est pour apprendre à tout ce qui est fleurs, etc. Je trouvais que ça pouvait être vraiment sympa. Comme je commence à faire vraiment de la papeterie, à créer des petits calepins. D'ailleurs, je ne sais pas où il est, mais. Ah, si, je le trouve. Comme je commence à me créer des petits calepins, etc., je vais vous montrer. Je me disais que ça pouvait être sympa d'en faire du coup un peu à l'image de ce qu'il y a dans celui-ci, me faire moi mon gros, comment dire, mon gros carnet à tricot, parce que là du coup j'ai le bullet journal de la tricopathe, mais il commence à venir, j'ai quasiment plus de place. Il ne me reste que la place en automne et la moitié de l'été déjà fait. Donc du coup, je me suis dit. Je m'en crée un à côté, etc. Plus, enfin, pas plus adapté, mais déjà avec moi, les petites corrections que j'ai faites, la mise en page, etc. Et je me disais que ça pouvait être vraiment bien voilà, de mettre encore plus de création aussi dedans, à vraiment le confectionner vraiment à ma sauce. Donc, du coup, je montre. Et ça, c'est le premier. C'était vraiment le, comment dire, l'essai numéro 1 avant d'en faire, parce qu'on a fait aux copines. Je vous ai montré avant les petites photos. Donc du coup, en fait, avec une plastifieuse, je fais des. Enfin, là, je prends des papiers, comment dire, de scrapbooking que je plastifie, je découpe. Là, j'ai acheté des petits anneaux, vous voyez, pour mettre ici. Des complots pour les copines, alors j'essaie de ne pas vous montrer. Ça, c'est des petites pages en fait qui sont détachables. Pardon. Ça, c'est qui peut aussi. J'ai fait des petits. Intercalaires et j'ai fait aussi des intercalaires pour mieux m'y retrouver voilà, horizontaux. Voilà, j'ai décoré avec des petites citations. Donc voilà, ça c'est vraiment mon premier essai d'agenda. Donc je me suis dit que ça serait sympa de combler, enfin de combler, d'allier en fait. Le fait que j'aime bien écrire, que j'aime bien faire des listes. J'ai vraiment envie de reprendre un peu le dessin, etc. De combler un petit peu tout. J'adore enfin, les phrases de ce que je lis, etc. De garder un petit peu. Donc, du coup, voilà, j'essaie de combiner un peu tout ça. Comment dire? De combiner tout ça, tout simplement. Donc, voilà. Et, ah oui. Comme il y a beaucoup de naissances autour de moi en ce moment, j'avais pris un. Et puis parce que ma fille adore, il y a un petit. Alors j'essaie de montrer un petit hérisson en liberty. Quand elle l'a vu, elle a complètement craqué. Voilà. Donc moi je vais lui faire en corail, en liberty et en doré. Comme, enfin, sa chambre, c'est les couleurs de sa chambre en fait. Les petits oiseaux, elle adore aussi. Donc, je me dis que ce serait super sympa pour les futurs bébés des copines. Et voilà. Ah, et je me suis aussi acheté, donc ça, il fait déjà un mois que je dois l'avoir, un mois ou deux, le livre de Lise Taylor. Donc, je me mets au tricot. Donc, je l'ai fini de le lire. Alors, je l'ai acheté pour deux raisons. Parce que oui, j'apprends. Enfin, comment dire. J'ai appris des choses. Hein. C'est sûr qu'on sait la moitié, voire les trois quarts des choses, on les connaît. Enfin voilà, quand on tricote beaucoup en rond, etc. Par contre, ce que j'ai aimé aussi, c'est d'avoir un support papier avec les petites choses où j'ai toujours genre le grafting, les petites choses comme ça. Voilà, au lieu d'aller sur internet, on l'a en papier, on l'a dans le sac à tricot, donc c'est vraiment, vraiment ben, enfin, super pratique. Voilà, en plus on supporte une tricopine, etc. Donc c'est encore mieux. J'adore le blog de Lise, parce qu'elle explique vraiment bien. Donc moi je suis débutante totale en couture, mais voilà comment elle explique, etc. J'aime vraiment beaucoup sa façon de parler. Et aussi parce que j'ai appris le tricot en rond à une copine, j'apprends à ma maman. Donc c'est rigolo parce que c'est ma maman qui m'a appris à tricoter avec ma grand-mère, et maintenant c'est moi qui lui apprends à tricoter en rond. Donc c'est voilà, c'est une boucle, mais c'est cool, et je trouvais important d'avoir utile.
Il est important d'avoir un support où il y a des dessins pour bien lui expliquer, regarde maman, ce que je t'explique, c'est comme ça. Donc je trouve que ça, c'est vraiment super pour pouvoir bien expliquer, etc., aux copines qui veulent s'y mettre au tricot, etc., qui veulent se mettre au tricot, pardon, etc. Je trouve que c'est vraiment un support super bien. En plus, les illustrations, c'est Paul Tébé, donc qui est une tricoteuse qui les a faites. Et je trouve qu'elles sont vraiment, enfin voilà, elles sont parlantes à une tricoteuse. C'est vraiment adapté, c'est vraiment. Vraiment top, la façon d'expliquer Lise est géniale. Donc du coup, enfin voilà, même si je sais tricoter, j'ai appris quand même des choses dessus. La rédaction est vraiment bien. Donc franchement, je recommande ce livre. Parce que oui, on peut retrouver sur YouTube, etc., les explications individuelles. Mais par exemple, quand on part en vacances, moi, je trouve ça sympa d'avoir voilà, les petits doutes sur les petits mots en anglais ou les techniques. Je trouve ça sympa de l'avoir le support papier et de pas toujours être coincé sur son téléphone ou sur Internet. Donc, vous l'aurez compris, j'aime le papier, etc. Donc, c'est un support qui me convient bien. Mais franchement, c'est un bon, ça, comment dire, c'est un bon outil. Et n'hésite pas à lire si tu as trop de temps. Si tu veux faire un peu pareil sur la couture, pour les grandes débutantes que nous sommes, que je suis en fait, en tout cas, parce que toutes mes copines savent bien, bien coudre quasiment. Donc, voilà. Mais c'était un petit peu de temps. Pitié. Donc, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Ça a été vraiment, là je vois 1h12. Voilà. Plus des intros et tout à rajouter, ça va être bien long. Je pense que voilà, vous m'aurez bien vu aujourd'hui. Donc je reviendrai après les vacances, donc normalement début juillet. Je ne pense pas revenir en juin, parce qu'on est début juin, mais je pars fin juin, début juillet. Donc je repars très fin. Je referai un podcast normalement mi-juillet, un petit peu avant mon anniversaire. Du coup, il y aura les photos de ce que j'aurai créé pour l'anniversaire de ma filleule. Il y aura le petit défi broderie, le petit défi du coup couture que je me lance, le châle en test que je ne peux pas vous montrer. Et normalement, j'aurai avancé sur mes tricots vacances. Normalement, mais je pense que toute sûre que oui, ça avancera un petit peu. Surtout le boxy qui sera mon tricot voiture, lui, il n'y a pas de souci, il va bien avancer. Donc voilà, donc j'espère que ce format vous plaît, que je parle un petit peu de tout, que je vous montre de façon synthétique, en images, vraiment tout ce que si j'ai fait beaucoup de créations, voilà, vous les montrer en synthèse, pour pas trop te faire redite par rapport à mon compte Instagram. Si vous avez des questions, si des choses vous intéressent, que je développe plus, etc., n'hésitez pas. Je suis en train de regarder autour de moi. Mais je pense que on a fait le tour. Ouais, donc j'espère vraiment que ce format vous aura plu, que la vidéo, enfin, vous l'aurez pas trouvée trop trop longue. Et bah, du coup, je vous dis au mois de juillet, profitez bien et du coup, à la prochaine.